Hey tout le monde, c'est ThormoDZ et donc aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, ce sera une vidéo sur FIFA 14 Ultimate Team, donc sur la Play, toujours sur la PS3. Ce sera une vidéo donc déjà pour vous dire un peu mon retour sur YouTube. Je pense que je vais faire principalement du FIFA. Je ferai aussi du GTA et beaucoup moins de Call of, parce que le Call of, ça m'a un peu saoulé, on va dire. En ce moment, c'est FIFA et GTA pour moi. Il y aura sûrement d'autres jeux aussi, mais bon, parlons FIFA. Alors, sur FIFA, donc je vais faire. Donc, je fais cette vidéo pour vous présenter un tournoi. Donc, un tournoi pour gagner un joueur. Et pour donc annoncer d'autres tournois qui aura lieu après ce tournoi. Alors, pour participer, donc ça va être très très simple. Par contre, c'est pas un tournoi gratuit, donc je vais vous expliquer pourquoi. Et avant qu'il y ait des gens qui disent arnaqueur, ou ouais, tu fais pas gratuit, franchement, tu déconnes ou quoi. Écoutez, je vais pas faire gratuit, donc tout simplement parce que si je fais gratuit, déjà j'aurai d'énormes pertes. Donc d'énormes pertes, que ce soit pour moi après jouer, pour me faire plaisir sur Ultimate Team, je pourrai plus jouer. Et donc aussi, je pourrai plus vous faire de tournois si j'ai plus de crédits pour vous mettre des joueurs ou pour mettre tout simplement des crédits en jeu. Je pourrai plus si j'ai pas de crédit. Donc là, le premier joueur qui sera à gagner, ce sera Cesc Fabregas. Donc un joueur d'une valeur environ 15 000, 20 000 crédits, tout dépend du moment, du mois et du joueur en lui-même, si en vrai il joue bien ou s'il joue mal. Donc alors, pour participer à ce tournoi, donc, ça va être très simple. Il y aura le groupe A et le groupe B. Donc il y aura 4 joueurs dans chaque groupe. Donc dans le groupe A, il y aura 4 joueurs et dans le groupe B, il y aura 4 autres joueurs. Ce sera 3000 crédits par joueur pour participer. Donc chaque personne qui veut participer me donnera 3000 crédits. Donc alors elle me les donnera, donc je l'ajouterai sur la Play. Et ensuite, je mettrai un joueur à vendre ou n'importe quoi pour qu'ensuite cette personne me fasse une offre à 3000 crédits, voilà tout ça. Une fois que tout ça c'est bien fait, je l'inscris dans le tournoi. Et une fois qu'il y a tout le monde dans le tournoi, qu'il y a assez de participants, le tournoi débutera. Donc il débutera un jour où tout le monde pourra. Donc je m'informerai avec tout le monde. Je demanderai à tout le monde si, exemple, s'il serait disponible un samedi ou un dimanche, qui est en général un jour où il y a tout le monde deux disponibles. Beaucoup moins souvent un jour de la semaine, parce que si les gens tout simplement travaillent ou vont en cours ou n'importe quoi, ils pourront pas. Donc ça, on verra. Et ce tournoi, donc ce sera exemple dans le groupe A et dans le groupe B, il y aura donc les deux premiers qui s'affronteront et les deux derniers qui s'affronteront. Dans le sens où, exemple, il y aura, dans le groupe A, il y aura numéro 1, 2, 3, 4. Numéro 1 et 2 s'affronteront et numéro 3 et 4 s'affronteront. Pour ensuite que, exemple, qu'il y ait le numéro 4 qui gagne et le numéro 1 qui gagne. Ensuite, ce sera le 1 et le 4 qui s'affronteront. Et donc, pareil dans le groupe B. Et puis ensuite, si, exemple, le gagnant du groupe A, c'est le numéro 4 et le gagnant du groupe B, c'est le numéro 3. Donc, ce sera le numéro 4 contre le numéro 3. Et le gagnant aura Cesc Fabregas. Donc alors, je tiens à prévenir, il y a beaucoup d'arnaques, je sais. Moi-même, je sais, je me suis déjà fait arnaquer sur Ultimate Team, sur FIFA 13. Je tiens à vous dire que franchement, ça ne me donnerait aucun intérêt de vous faire une arnaque. Je fais ce petit concours vraiment pour le plaisir, pour que quelqu'un gagne Fabregas ou n'importe quel autre joueur au fur et à mesure du temps. Donc c'est payant, donc je vous ai expliqué les raisons pourquoi... Pourquoi le tournoi est payant. On va pas y revenir dessus. Si vous voulez des précisions, vous venez en privé sur YouTube ou vous allez tout simplement sur la page Facebook de la chaîne ou sur la page Facebook du tournoi. Donc parce que j'ai créé une page Facebook pour tous les tournois sur FIFA Ultimate Team. Donc allez principalement sur la page pour me demander, engager en privé. Donnez-moi votre ID PSN, tout ça. Donc je tiens aussi encore à préciser, c'est que sur PS3. Si vous voulez participer, envoyez-moi un message. Si vraiment vous pouvez pas sur Facebook, faites-le sur YouTube. Et je vous répondrai le plus rapidement possible.
Donc ce tournoi, comme je l'ai déjà dit, c'est 3000 crédits. Vous venez en privé, on s'organise un petit moment pour les 3000 crédits et pour que je puisse vous inscrire. Donc alors il faut exactement 8 participants, il me semble, oui, donc 4 pour chaque groupe. Donc 8 participants au total. Dès qu'il y aura les 8 participants, le tournoi commencera et le gagnant gagnera Fabregas. Le deuxième, donc alors tous les autres perdront. À part peut-être le deuxième, éventuellement, le deuxième du tournoi gagnera une remise de 500 ou de 1000 crédits pour le participer au prochain tournoi. Donc exemple, dans le prochain tournoi, si normalement le tournoi coûte 5000 crédits pour gagner, exemple 5000 pour gagner Daniel Vess, eh ben, et donc il payera que 4500 ou 4000, ça c'est, on verra, mais ça c'est pas du tout sûr. Donc je vous dirai si je ferai ça comme ça ou pas. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, un prochain tournoi. Donc c'était Tormo2Z, participez au tournoi. Franchement c'est pas cher pour gagner un Fabricas si vous sentez que vous êtes gros niveau, que vous êtes au plus haut de votre forme. C'est le moment. Donc franchement c'est parti. Moi je vous dis donc à la prochaine pour un prochain FIFA et un prochain tournoi. Allez, peace tout le monde.